Dinor, CDF. Attention, lance grenade. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Tino CDF de retour pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je suis là pour vous présenter l'épisode numéro 16 de notre let's play sur Watch Dogs. J'espère que vous allez tous très bien les gens et cette fois-ci bah, vous pouvez voir qu'on est déjà en train de faire un... Parce que vous avez pratiquement rien loupé. Je me suis rendu compte juste à temps, je viens juste de commencer l'épisode. Mais en fait, le souci c'est que j'avais oublié de brancher mon... Bah, je l'avais pas branché, mais je l'avais pas activé, on va dire, plutôt. Et... Parce que vous m'entendiez pas. Donc là, vous m'entendez, tout va bien, donc nous pouvons continuer notre épisode. Jordi est en place par rapport au sniper qu'on lui avait demandé. Ça y est, je suis à Rossi Fremont. Je te vois. Bon, tu vas me dire pourquoi on cherche la merde à ces mecs. Tu veux vraiment savoir? Pas vraiment, non. Il y a un ordinateur à l'intérieur. Oui, non, mais ça va, c'est bon. En fait, la vérité, c'est que je m'en fous. C'était juste pour discuter. T'as le bâtard. Moi, je pense... Tu l'as loupé, Jordi. Ouais, c'est bon. Je voudrais bien t'y voir, toi. N'oublie pas ton maquillage, salope. Bonjour, toi. Oh, salope. Dis que t'as rose. Yeah, t'as vu comme je suis bon? Ah, ça, c'est un masto. C'est quoi ce bordel? Je m'attendais à des gosses avec des armes en mousse. On dirait des putains de militaires. Je te présente les Viceroy. Irak a une approche différente du contrôle des rues. Ben, ça fout les... Putain, mais ce fils de pute, pourquoi il vise en bas, wesh? C'est un abruti. Partout. T'es sûr que tu veux aller là-dedans? J'en ai aucune envie, mais j'ai pas trop le choix. C'est ça ton problème. Tu réalises pas qu'il y a toujours une meilleure option. Tu restes bloqué sur ces petites aventures qui t'apportent jamais rien de bon. T'as fini? Pour l'instant. Allez, toi, hop. Dans ta gueule! Aide-moi à viser le masto, espèce de pouilleux, jardin de mes couilles. Strike, on l'a sabaté, désolé j'étais concentré, du coup je parlais pas. Donc, je voulais vous parler d'un sujet qui va... Voilà. Désolé, mauvais angle. Tu vas pas appeler grand monde toi sale bâtard, c'est mort. Lui il fait le mac lui là. Salut à toi, Je vais aller sur Minecraft après. Malheureusement pour lui.
Salut à toi. Donc je voulais vous parler, comme je disais, d'un sujet principal qui va être le remplacement de Watch Dog. Parce qu'effectivement, on va arriver à la fin du let's play. J'en avais parlé dans une vidéo gameplay que vous avez sûrement vue. Donc vous savez sûrement que j'ai voulu, que je veux remplacer Watch Dog par soit Far Cry, soit Assassin 3, ou alors. Clara, tu peux m'ouvrir cette porte? On est sur le coup. T-Bone dit qu'il a une idée. Ouais. Ils utilisent mon système de cryptage sur les portes de sécurité. C'est difficile de le trafiquer à distance, mais ta petite copine a eu une putain de bonne idée. Si t'arrives à couper l'alimentation de la porte, ça va rétablir le code base pendant une demi-seconde. Et tu le connais, ce code base? Ouais. C'est même moi qui ai écrit l'algorithme. Alors, on essaie? Bien sûr qu'on essaye. Alors, comme je disais... Soit Assassin's Creed le nouveau là, ou soit le Sniper Elite V3. V3 c'est 3, putain je me trompe tout le temps, c'est pas grave. Ne votez pas sur ces commentaires, ça sert à rien, allez directement sur le game, sur la vidéo. Du courant là. On va tourner autour, ça se trouve, en fait, il est 4 bords autour. D'accord. Et donc, si vous parlez de ça, j'ai eu quelques votes. Donc on est égalité par rapport à Assassin. Sur le côté, on va niquer ce bâtard. Merde, trouvez-vous une planque. On est égalité par rapport à deux let's play qui vont être Assassin et Far Cry. Pour le moment, on est égalité. Donc... on va. Mais Jésus, t'es sérieux dans ton grosse tête, sale bâtard. Wesh, il a fait comment, lui? Le mec, il a sauté du premier étage, lui, c'est la fête. Bref. Donc, pour l'instant, on est égalité. Si jamais on est l'égalité, Inen qui se fera... On choisira Assassin's Creed pour le let's play. Nous avons Assassin. Nous avons Far Cry pour le moment. Donc c'est sûr, ce sera l'un des deux. Par élimination obligatoire, il y aura Sniper. Tu crois que je m'y attendais pas? Une grenade à fragmentation. Ouais. Hey, oh! Donc, ça c'est l'endroit où on était. Et avec. Tu crois que t'es balèze? Je suis balèze. Comment pirater un ascenseur, tout simplement? Alors.
Voilà, je choisirai donc, comme je disais... Merde, putain. Putain, il arrive sur nous! Hello. How are you? Ich bin Rodolphe pour moi. Ouais mais te cacher derrière une grille, ça sent bien. Bon, de sacré tout. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est le manque de politesse. Je vais te policiter ta tête, toi. T'es dans la merde maintenant, t'as vu. Arrête, je vais avoir peur. Je vais te... Sauvez-moi cet enfoiré. Passez par le côté. Il est par là. C'est ta mère. Cette petite salope a besoin d'une bonne correction. Ah oui, et bien profond, ombre. Donc. Putain, c'est la merde! Si tu viens pas, je vais venir te chercher! Ok, d'autres bombes? Hé, hey, amenez-moi une chaise! Je vais rester ici à moi! Hé, hey, mec! Hé, hey, amenez-moi une chaise! Il est sérieux, ça doit. Bâtard, tu vas rester là toute la journée? Hey, je suis sûr qu'il est dans le coin, cette petite pute. Je crois qu'on est buté, mec. T'as plus du cul. T'étais pas censé se passer comme ça. Pou du cul? Attendez, comment on fait pour monter déjà les échelles? Là, et le mec, moi je suis en train de galérer là. Oui. Surprise. Salut ma poule, comment tu vas? Ouais, attends, je baisse la tête. Attends, j'ai oublié de baisser la tête, wesh. Putain, il est pas loin, l'enculé, j'en suis sûr. Dommage. Je pensais que tu m'avais vu. T'es par là. T'es si un
Je le prends dans le dos en fait, ce bâtard. Wouah! Mais genre le mec, quoi, il a fait joue 360. Oh putain! Pire que moi sur Call of, quoi, c'est ouf. Principal en fait, c'est ça surtout. T'es prêt pour ça, soldat? Je vais t'ouvrir le cul, espèce de grosse fiache! Pour ça, j'arrive. Je vais manger ta famille, de pute! Je vais voir ça, tu vas m'ouvrir le cul, tiens. À l'action que je viens de faire, vous avez... Oh là là, elle est magnifique. Franchement, moi j'ai... C'est la merde. J'ai kiffé. Tu peux plus fuir. Je suis sûr qu'il est par là, ce gros bâtard. Je suis Logan. Une petite doublette, ça fait plaisir. Allez hop, c'est parti. Alors. Alors là, franchement, ça serait con, faire exploser. Ah, regardez ça. Hello! How are you? Ich bin Rudolf. Celui-là, mon ami. Coco. Irak, viens voir tonton Tina, il va te niquer ta mère. Hello. C'est bon Clara, j'y suis. Tu vas bientôt recevoir des trucs. Oui, je le vois. Ça commence à arriver. T-Bone se mettra sur le décryptage une fois que le transfert sera terminé. C'est vraiment gros comme téléchargement. C'est l'arme principale d'Irak, son moyen de pression. Il accumule toutes ses infos depuis des années pour faire chanter les gens. Ok, c'est bon, on a tout. Maintenant, ramène-toi, Aiden. T-Bone a lancé le décryptage. C'est bon, j'arrive. C'est bon, ça, c'est bon, ça. Moi, je dis que c'est bon, ça. On est bien, là, on est bien. Je vous dis, on est pas loin de la fin. Oh, sa mère, te voilà, toi. J'aurais pas hésité, une balle dans la tête. Pierce, c'est ça? Toi, c'est Pierce, celui des enchères. Irak! C'est toi qui me pourris la vie, connard! Parce que ça fait pas semblant en ce moment, moi je te le dis! Bouge pas, enfoiré! Je vais pas te laisser t'en tirer comme ça. Tu t'amuses à me faire chier et tu viens fouiller dans mes affaires. Tu veux me niquer mes plans? Irak, ils sont tous dead! Alors c'était toi, l'autre hacker du Merlot. C'est ma monnaie d'échange. Mon chef-d'œuvre à moi. Et toi, t'essaies de me le piquer? Tu m'as volé quelque chose qui avait bien plus de valeur à mes yeux. Moi, je t'ai piqué un truc. Putain, je te connais même pas. Oh, sale petite merde, je vais te niquer ta mère. C'est toi, alors, bâtard. Putain, je vais l'enculer. Ta mère, bâtard. Tu veux voler mes trucs? Tu sais qui je suis, bâtard? Tu sais? C'est ta mère, ça, le fils de chien. Ah, c'est lui qui... Un petit minable qui veut jouer au gangster. T'as tout faux. Et t'es la petite pute de Lucky Queen. Va chier! Va chier! Bâtard.
Ah, ça y est. On sait qui est ce petit fils de pute qui a tué les nains. Ouais. J'en ai connu plein de comme toi. Des enfoirés qui se croyaient supérieurs. À l'arrivée, j'ai traîné leur cadavre dans le désert. J'ai traîné ta mère, moi, dans le désert, dehors. Je vais te renvoyer chez toi, tu vas voir. Vas-y, bah viens, qu'est-ce que t'attends, wesh. Pédale. Ou te planquer derrière un micro, sale pédale, sale merde. Et une famille de gosses, des frères et des sœurs. Tu touches au mien, je touche au tien. Bâtard. T'as touché au mien, sale fils de pute. Vas-y, on fait quoi, là? Reste pas, y'a personne qui va venir sauver ton petit cul. Ton sniper est neutralisé. Et la police viendra pas me faire chier. Ici, la police, c'est moi. Tu vas crever tout seul. J'ai pas la patience. Sors-moi là. Putain, il a buté un refrain. Faut pas faire la guerre à un soldat, mec. Toi, un soldat. Tu crois vraiment qu'on est potes? Qu'on tape la discute? Je vais me barrer avec tes fichiers, tu sais. Tout ce que t'as fait, tout ton travail, envolé. Le Merlot, c'est un hôtel de luxe. Une cage à gros richards qui demandent qu'à cracher leur pognon. Toi, tu me le voles. Mais un jour ou l'autre, quelqu'un te le volera aussi. Les secrets, ça circule. Et il y aura toujours des gens prêts à mourir pour les secrets. C'est la malédiction du pouvoir. Oh, c'est pas une négociation, là. T'as voulu te battre, Pierce. Alors c'est parti. Genre Irak qui est un masto quoi. Irak c'est un masto, et genre. Tout ça parce que c'est un boss. Sale merde. Irak protégeait une énorme quantité d'informations qu'il utilisait pour faire du chantage. Mais il cherchait quelque chose d'encore plus important. Il voulait la vidéo du Merlot. Il n'aura pas réussi à la retrouver. Les pédale. Ils ne mettront pas longtemps à se regrouper et à choisir un nouveau leader. Quant à Bedbug, c'est sa chance de quitter tout ça. J'espère qu'il la saisira. Pour nous, notre mission est terminée vu qu'on a... qui était aux commandes de la mort de Léo. On a aussi terminé la mission, aussi terminé cet épisode. J'espère que cet épisode numéro 16 de notre let's play sur Watch Dogs vous aura plu. Si jamais vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce vert. Tu fais pas mal de bruit, mais tu progresses au moins. Je sais ce que je fais. Je m'emballe tellement les couilles de lui que je vais... voilà.
lors des collisions, je crois. J'ai pas besoin de t'avoir sur le dos. Oh, je crois que si. On a toujours mieux bossé en équipe, et tu le sais. C'est pas une faiblesse de l'admettre. Sois honnête. T'aurais pas étonné. Mais tu fais ça, c'est pas vrai? Ouais, j'ai tout. Maintenant, libère Nikki. Eh ben voilà, je savais que tu y arriverais. Tu vois, on a réussi. Amène-les-moi, maintenant. Et bien seul. Donc comme je disais, on va se laisser là les gens, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous a plu, je vous propose un verre. Et nous allons, bah, vous voyez, libérer Nikki. Et d'après moi, ça serait terminé. Après, je ne sais pas ce qui va se passer. On verra ça dans l'épisode numéro 17 de notre Let's Play sur Watch Dogs. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.